وي سيدي دي توالين تي كيو 5 ديك التام كي تصغر ما تروحو التلفزيون اللي كاين وين سيال فارمون في الدونيت ايال اذم تقبيلي في ضرب تقبيلي في ضرب بني قبيليا تمتي تقبيلي اتي دناوي وتنستحضر اكي قام مع طوب الناس بالكواليس ديك التام عند فينار ماشي من ولا ايوا شو خاطر ويلي دي شفان ويلي دي شفان لي 15 مغامس 62 راديو تواريث تنقو حانت اي غي اي اكسن اي غريفن نيميرن وكذا من قار ثود ساعه تسير ذا سانت توفي ثنا لو اي اس اورغانيزاسيون ارمي سكريت تروح تقرص في 6 اي ماك زين نا دي زانتلكتويال ويلي غران اميرن لان ثلاثه يقباليين ثلاثه الفرنسية نتهجين بشيء اليوم وغرباز نتموت نوزكا ذي مسنوان دارني لذغا ذو حالي شاكين انو السلمذ انوون سينما مولود فرعون اميامو ام قران النار دارني اثماس لن سين يقبلي انسان ازال مقران تصطاس الى علي حموتان اكني لذغان صلاح انري اولد اودية أثورا كان مازال كان فرن في الناقية تغوصي ونزغير هذا شوي قدران ونزغير وشو لانكت نير وتكميل لها ونزغير أشو أشيمير أما ذو ذابور الزيري أما ذو ذابور الفرنسيس غلقا في اللاس ألنسن وغين أدفقنن ذا شوي قدران وغين أدفقن أكني منقى لا سويت لانكت نير إيه تيكو سانك ثروح ثنو ذان قلب تفاد ميس يال وكذا كان يقبل ان كان انغان ميس ان صالح اونري اولد اوديا وكير نفجينا بوسكير سي جان فيليب اولد اوديا ذنسا ايج يوز ايز جام يتسزل وكني ادفان سيفيس وكني ادف فرانسيس اكدو تزايرين لدغا وكني دفكن ذا شو يتسمغ الإنسان إيوا شو ودنان أشما وشو وديك ملنا ونذي غف وقاد ينغان نا ذا شو نسبا إغف أنغان السينيض أمزون ذي سينيض سنة مذابوها تزيري مذابوها فرانسيس يعجب اسم الحال أشكو وقاد كي ليز انتلكتوال جيمين بغانا دربين مكي اللي وغرباز انتموت نوزكا أم جاي نا إمسجير اللونجي سقنا أم جاي إمسجير جون فيليب ولد أودية نتسا يفرق كيكين ذي ميرن دي ثالث نيان إلا ذن الماذ ذي توجيا يخدم سبيطار مصفى باشا ذي الزاير ميجموث باباس تين يوراد ووا يوراد ينبذ ليس سوزا ليس غاف ذيان تنيان ذن شكي قد نوير يدس ذي سقسي نسينير et mes et Mujay Jean-Philippe Ould Aoudia Azulflek bonjour docteur Ould Aoudia nous sommes très honorés de votre interview que vous nous avez accordée pour nous parler un peu de cet épisode noir qui s'est déroulé le 15 mars 1962. Vous me dites bonjour, moi je vous dis bonsoir. Parce qu'ici, il est 20h et la nuit est en train de tomber sur Paris. Merci de m'avoir accueilli et proposé de parler de quelque chose qui me tient fort à cœur, c'est-à-dire l'assassinat de mon père et de ses collègues par l'OAS en 1962. C'est un crime terrible et on va peut-être en parler pour que les jeunes générations sachent ce qui s'est passé et ce qui ne doit plus se passer. ذو الأقرار قبل أن نبدأ هيك يعني سيني ذيك دكتور ولد أو ديار دي نظر ذنوات ذا شوث ومشواريك ذي توذرتيك أما ذو خديم أما توذرتيك سوماثا principal من سكو جي دي دكتور ولد أو ديار est-ce que vous pouvez nous relater un peu votre carrière, votre parcours, soit à carrière professionnelle ou autre, depuis votre naissance? Je suis né à Alger, de père et mère instituteurs, les hussards noirs de la République. J'ai donc été élevé dans l'odeur de la craie, dans des classes surchargées, aussi bien chez les garçons que chez les filles. J'ai fait des études secondaires et puis j'ai fait aussi des études supérieures de médecine. J'ai exercé la médecine à Alger, à l'hôpital Mustapha.
Et puis, l'Algérie m'a quitté. C'est-à-dire que l'intégrisme, l'intolérance, l'obligation de ceci et de cela ont fait que je ne me suis plus senti à l'aise dans cette société-là. Et je suis donc parti à Paris où j'ai continué ma carrière dans le privé à ce moment-là. Et au bout de, en 2000, après avoir là longuement et, je pense, consciencieusement soigné mes concitoyens, eh bien, je suis aujourd'hui à la retraite. À la retraite depuis combien d'années maintenant? Depuis 10 ans. 10 ans. Parfait. Et vous avez dit comme quoi vous avez quitté, l'Algérie vous a quitté au fait. C'est Oui. quoi ce mot? Parce que le démarrage était vraiment mauvais. On aurait dû instaurer un système à la Mandela quand il a fait avec toutes les composantes de la société sud-africaine qui fait que maintenant l'Afrique du Sud, elle est ce qu'elle est, un pays puissant. Malheureusement, ça n'a pas été fait en 62, on a tout fait pour que les pieds noirs ou pour que les juifs ou toutes les autres communautés existantes qui auraient pu contribuer au développement de l'Algérie, ça n'a pas été le cas malheureusement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelle année exactement vous avez quitté l'Algérie? J'ai quitté l'Algérie en 1973. Jamais, jamais, après l'assassinat de mon père et puis notre engagement en Algérie, leur carrière d'enseignant et moi de médecin, nous n'avions jamais imaginé qu'un jour nous devrions quitter l'Algérie. Et donc, nous avons été contraints de le faire, comme je vous le disais, parce que le pays, l'ambiance, la culture ne se prêtait, était une culture des censures, on ne se sentait pas à l'aise. Par conséquent, à partir du moment où je m'étais fixé ça, où je ne pourrais plus lire le monde, le trouver dans les bureaux de tabac, à partir du moment où ce quotidien-là serait censuré, je partirais. Eh bien, je suis parti. Hélas, pour mon plus grand regret. اسمع كان وثير دي توالين كاتيكو سانك ذاك كان ثوا شور تولد وديا نثمان قلات جيجا وونت مثل الفلايل ثوا شو تدف كان طاسة طاسة في جولا تتزيريث تو شو تسمى سيحيث اللي قد تحسنو شتاكير جدس جدس يقلان اسميس بوجما بنجامان يقول 1889 لا ديجا ذا انجاز كمان كان كي كان يتجاولا اما كان داغن فافا سكيتنا صالح هنري الى دعني عم سمقران الى دعني يون نعم صاني سميس فالعيد جون فالعيد الى مد الكارديمال يخدم كي داني نوتر دام دافيك ديال الجزائر انش كي كنت نوغال سلقايت توزرت توشولت كلام توشولت مقران دي تجاولا نيان يدف كان راسي تموت J'ai vu que vous avez soutenu en 71, docteur Ouldaoudia, votre thèse de doctorat. Donc, vous l'avez faite à Alger ou à Paris cette époque-là, parce que c'était Les pas. deux, mon général. J'ai fait une thèse de recherche sur l'iode avec l'iode 131, une thèse très très poussée, très pointue à Alger. Et puis, lorsque j'ai quitté l'Algérie, il a fallu que je recommence mes études. Quatrième, cinquième, sixième année, et j'ai repassé une thèse. Je suis un médecin avec deux thèses. J'ai exercé dans deux pays. C'est très riche. Parfait, super. Encore une fois, comme je l'expliquais, on reviendra un peu sur, plus tard sur la famille Oudoulia parce que vous avez apparemment un livre qui est sorti. Je vous remercie beaucoup de me l'envoyer, d'accepter de me l'envoyer pour que puisse aborder une autre émission spéciale dédiée à la famille Ould Aoudia. Maintenant, on revient au sujet qui nous intéresse et qui est l'objet de cette émission, c'est ce qui s'est passé exactement le 15 mars 62. Et on sait que vous êtes actuellement, vous gérez une association, Les Amis de. Max Marchand, Mouloud Ferraoui et leurs compagnons, c'est-à-dire les six fonctionnaires de l'éducation nationale, dirigeants des centres sociaux éducatifs en Algérie, qui ont été assassinés collectivement le 15 mars 1962, à quelques jours du cessez-le-feu et d'une paix annoncée. Oui, la question juste par rapport à cet événement, est-ce que vous pouvez nous résumer à peu près qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que nos téléspectateurs puissent avoir une idée? Qu'est-ce qui s'est passé le 15 mars 62?
Dans la mesure où j'ai écrit un livre, j'ai pris beaucoup de distance sur les faits criminels, donc je peux en parler de manière très distanciée. C'est une histoire qui remonte à loin. Lorsque Jacques Soustelle a créé les centres sociaux en septembre 1955, 3 semaines avant, il avait signé un arrêté de création des SAS. Les SAS étaient un organisme militaire chargé de contrôler la population, alors que les centres sociaux, eux, dépendaient de l'éducation nationale. En sorte que les populations algériennes se sont rendues très librement dans les centres sociaux, alors qu'ils avaient beaucoup de réticence, bien évidemment, à aller fréquenter les SAS militaires. Et donc les militaires ont conclu, si les Algériens vont dans les centres sociaux, c'est que les centres sociaux, c'est le FLN. Et par conséquent, il y a eu cette sorte d'analyse fausse, de malentendu, qui fait que quelques mois après la création du service, des 10% du personnel des centres sociaux, hommes et femmes, français et algériens, ont été arrêtés par l'armée, ils ont tous été torturés. Il en est ressorti que 3 condamnations mineures, parce qu'il n'y avait rien à reprocher aux gens des centres sociaux, sauf qu'ils faisaient partie des centres sociaux. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Mon père est directeur d'un centre social et il a son moniteur qui arrive en retard. Pourquoi tu arrives en retard? Parce que j'ai été arrêté par les parachutistes. Et pourquoi tu as été arrêté par parachutiste? Parce que je faisais partie du centre social de la Redoute, monsieur le directeur. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Eh bien, ils m'ont tapé. Mon père demande à vérifier. Montre-moi ton dos, que tu ne me racontes pas d'histoire. Il soulève sa chemise, le malheureux, il avait des traces de coups. Le fait de faire partie des centres sociaux, c'était déjà, comment dirais-je, une faute, une culpabilité. Et donc, avec le temps, en particulier au moment du procès des barricades, lorsqu'il s'est agi de juger les pieds noirs qui s'étaient élevés contre la République, le général Massu a dénoncé les centres sociaux en disant « Vous ne pouvez pas condamner des Français qui se sont élevés. Si vous ne condamnez pas les centres sociaux qui sont des repères du FLN. » À la fin du procès des barricades, tous les inculpés ont été libérés. Ils sont tous partis dans la nature, certains en Espagne, et ils sont revenus après le putsch des militaires. Tous les inculpés des centres des barricades, tous les inculpés des barricades, vous allez tous les retrouver dans l'OAS, que ce soit les civils ou les militaires. Donc, oui, c'est des étoiles Q5 et ça me déchire ce bas. Il y a le nœud du problème. La chose, l'arbre de l'Amkohan, le roi qui m'a Amazon, nous dans les centres. Socio-éducatif, qui est dit dans la femme Zouamou, Gimber, Jacques Sostel, je crois qu'il y a un docteur. Donc, en 92, pour rappel, encore une fois, vous avez signé votre premier livre qui relate un peu en détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Le livre qui s'appelait donc l'assassinat de Château Royal. Donc, ce qui a attiré mon intention par rapport à ce livre, c'est que l'introduction, elle a été faite par une grande dame qui, en fait, c'est elle qui était derrière la gestion que Jacques Soustelle a confié la gestion des centres sociaux éducatifs. C'est Germaine Tillion et nous a quitté en 2008. Heureusement d'ailleurs que vous l'avez sollicité pour qu'elle fasse une introduction. Tout commencer, la préface a été faite aussi par un autre grand écrivain français, natif de Rouen, c'est Emmanuel Robles. Robles, oui. Il nous a quitté juste 3 ans après l'édition de votre livre. Donc, ça serait bien de nous dire comment vous avez eu l'idée et pourquoi spécialement ces deux personnages que vous avez sollicités. D'abord, c'était bien la moindre des choses que de solliciter Germaine Tillion, qui avait fondé les centres sociaux, qui les avait suivis, qui les avait épaulés et qui les avait défendus lorsque l'armée s'en prenait au personnel des centres sociaux. Quant à Emmanuel Robles, c'est un ami, son fils était un ami, sa fille qui est toujours vivante l'est aussi. Emmanuel Robles a quand même été ce qu'on appelait les libéraux en Algérie. Et c'est lui qui a accueilli Albert Camus, qui a organisé la réunion de la trêve civile dans la Casbah avec Albert Camus, la trêve civile parce que
on avait tous bien compris, en tant que moi j'étais jeune à l'époque, mais en tout cas Germaine Tillion-Robles et les autres avaient bien compris que dans cette guerre civile, c'était les civils qui allaient payer le plus lourd tribut du sang dans cette guerre-là. Germaine Tillion, c'est une résistante pendant la résistance de Jacques de Gaulle. Elle était une grande dame. Ce qui m'a attiré le plus en elle, docteur Oudouadia, c'est qu'elle s'intéressait beaucoup au patrimoine berbère. Elle a travaillé comme ethnologue pendant des années chez les Chaouis, à Batna. Et ensuite, elle a été rappelée, comme vous avez dit, par Jacques Soustelle pour qu'elle soit à ses côtés dans le cabinet qui s'occupait, on l'a chargée des centres sociaux de l'éducation. Mais après Jacques Soustelle, il y a eu Robert, comment s'appelle, Lacoste. Qui avait une autre vision, donc c'est lui qui a ramené tous les troubles qu'on connaissait durant la période de la bataille d'Alger, tout ça, la torture, tout ça. Donc il y a eu un arrêt pour Germaine Tillion, voilà. Et puis après, elle revient dans le gouvernement d'après Lacoste avec Michel Debré, qui l'a encore sollicité pour qu'elle continue son programme dans son programme de centres sociaux éducatifs. Et c'est durant cette période-là qu'il y a eu cet événement-là, justement. J'ai vu qu'à la mort de Mouloud Feraoun et ses compagnons, dont votre père, elle était très, très touchée. Elle a écrit une lettre émouvante, justement, où elle a relaté un peu ce qui s'est passé. Elle a décrit d'une façon formidable la lettre qu'elle a adressée au journal Le Monde, juste au lendemain de l'assassinat. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à cette lettre? Et oui, bien sûr. Cette lettre s'appelle « La bêtise qui froidement assassine », mettant en lumière que l'intelligence de ces gens-là, entre guillemets, a été mise au service d'un acte complètement, comment dirais-je, qui allait au contraire de ce qu'ils voulaient. S'ils voulaient une Algérie franco-algérienne, ils ont assassiné des gens qui préparaient justement la cohabitation entre les Français et les Algériens. Quoi de plus, comment dirais-je, symbolique, ils ont choisi trois fonctionnaire de l'éducation nationale avec un patronyme français et trois avec un patronyme autochtone, local, berbère en l'occurrence. Si c'était ça, la fraternité, les aligner devant un mur et les abattre, c'était vraiment pas ça qui allait amener l'Algérie française, faire arriver l'Algérie française en 1962. C'est exactement le contraire. Ils sont tous partis des pieds noirs à cause de crimes de cette nature, de cette bêtise. Justement, docteur Oudodia, je vais lire un passage de la lettre écrite le 18 mars 1962, elle a dit ceci. Elle a dit « Cet honnête homme », elle parlait de Mouloud Feraoun, « cet honnête homme, cet homme bon, cet homme qui n'avait jamais fait du tort à quiconque, qui avait dévoué sa vie au bien public, qui était l'un des plus grands écrivains de l'Algérie, a été assassiné, non pas par hasard, non pas par erreur, mais appelé par son nom, tué par préférence, et cet homme qui croyait à l'humanité a gémi et agonisé 4 heures, non pas par la faute d'un microbe, d'un frein qui casse, mais parce que cela entrait dans les calculs imbéciles des singes sanglants qui font la loi à Alger, entre l'écrivain Mouloud Feraoun, né en Grande-Kabylie, Max Marchand, orané d'adoption, et docteur S-Lettres, Marcel Bassette, qui venait du pays du Pas-de-Calais, dans le nord en France, Robert Aymar, originaire de la Drôme, le catholique pratiquant qui était votre père, Salah Oudia, et le musulman Kabil Ali Hamouten. Il y avait une passion commune, le sauvetage de l'enfance algérienne. C'est trop fort, hein? Donc, effectivement, vous voyez, ça reflétait un peu l'image de ce qu'on souhaitait de l'Algérie après 62, qu'elle était plurielle, à la fois sur le plan linguistique, sur le plan religieux, et ils avaient une noble mission, c'est d'instaurer l'éducation et de s'attaquer à l'analphabétisme qui
l'analphabétisme qui faisait ravage où 80% ils étaient analphabètes. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Oui, vous donnez une précision. Grâce à mon livre, je sais qui a maintenu sur la liste des condamnés à mort Mouloud Feraoun. Il s'appelle Jacques Achard, c'est l'ancien sous-préfet des Oadia qui s'en était pris à Mouloud Feraoun, qui était à l'époque directeur du collège de Fort National, et lui avait dit, parce qu'il y avait une grève du FLN ou quelque chose comme ça, vous me pardonnerez par rapport à vous-même et à vos lecteurs et à ceux qui vous écoutent. Vous, dit Jacques Achard à Mouloud Feraoun, un simple troufion peut vous mettre un coup de pied dans le cul. Voyez comment un sous-préfet de la République s'adressait à l'un de nos écrivains les plus nobles, les plus beaux. Ces termes, ces gens, ces mots-là, ce sont des mots qui ont tué ensuite le 15 mars 1962, parce que c'est cet individu-là qui a maintenu la liste de Mouloud Feraoun, parce que le maintien du nom de cet homme sur la liste des hommes à abattre a posé quelques questions, quelques problèmes de, entre guillemets, hein, quelques problèmes de conscience. Ils se sont dit, attendez, on va pas mettre Mouloud Feraoun, on va pas l'abattre, c'est idiot. Et l'autre a dit, non, 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 on va le maintenir. Voilà, vous savez tout sur les tenants et les aboutissants d'un meurtre calculé, réfléchi, qui a fait l'objet de concertations au sein des états-majors des tueurs de l'OAS. Oui, c'est ça. Donc, la question suivante, en lisant un peu, en épluchant un peu plus dans les détails de cette affaire, j'ai lu un épisode qui m'a un peu attiré. C'est l'épisode de Patrick Buisson, qui était élève à l'époque. Donc, je vous laisse le soin de raconter qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Et puis, qu'est-ce qui est devenu plus tard Patrick Buisson? J'ai vu que vous tenez à ce qu'il se prononce sur qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Est-ce que vous pouvez nous résumer qu'est-ce qui s'est passé? On quitte mon livre pour repasser à l'actualité. À savoir que c'est en faisant mon livre que j'ai appris. Non, c'est tout à fait, c'est pas cela. Patrick Buisson est interviewé par le Nouvel Observateur. Et alors que la journaliste ne lui demande rien, il dit, moi, j'ai des convictions. Voyez, le 16 ou 17 mars 1962, il y a une minute de silence pour six fonctionnaires, je ne me suis pas levé, je n'ai pas respecté le silence. Je persiste. On ne lui demandait rien et il raconte qu'étant enfant, 13-14 ans, il y avait une minute de silence dans toutes les écoles de France, dans tous les collèges, dans toutes les universités, du plus humble hameau à la faculté la plus élevée de France, une minute de silence à la mémoire de ces six fonctionnaires de l'éducation nationale assassinés sur leur lieu de travail, dans l'exercice de leur mission au service de l'éducation des populations les plus pauvres de l'Algérie. Eh bien, ce jeune homme a refusé de se lever. Et comme il est devenu un personnage important dans la sphère de Nicolas Sarkozy, en particulier, il était directeur de la chaîne Histoire, je l'ai interpellé par des lettres ouvertes sur le site internet de la Ligue des droits de l'homme de Toulon, en lui disant, vous étiez jeune, on peut le comprendre, mais aujourd'hui, pourquoi? Et il n'a pas répondu. Et il n'a jamais voulu répondre, ce qui veut dire qu'il cautionne le crime et qu'il est fier de ne s'être pas levé pour respecter les morts. En tout cas, vous avez relaté bien que cet épisode-là, dans le livre, l'assassinat de Château Royal, c'est un livre, il a 4 ans, et qui a les détails pour ce qui est en Dakar, et d'une heure, il y a des détails, il y a très grands soucis, et qui a des détails, il y a des statistiques, il y a des détails, il y a des détails, etc. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous m'avez parlé d'une anecdote que vous souhaitez nous raconter sur le fameux écrivain kabyle Mouloud Feraoun. Mon père était le plus ancien du service. Et donc, quand Mouloud Feraoun est arrivé après, il demandait toujours à mon père quelques conseils, parce que bien sûr, quand il y a un groupe de travail, il y a toujours des relations personnelles, des tiraillements qu'il faut apaiser.
Et donc, Mouloud venait discuter avec mon père chez nous, parce qu'il avait beaucoup d'enfants chez lui et il n'était pas tranquille. Et à chaque fois qu'il me rencontrait, il savait que je faisais des études de médecine, il roulait beaucoup les airs et il me disait: Jean-Philippe, travaillez bien votre médecine, nous aurons besoin de vous dans l'Algérie de demain. À chaque fois qu'il me rencontrait, il me disait cette phrase. Voilà. Et il s'enfermait avec mon père dans le bureau, il parlait en kabyle pour que ma mère ni moi ne comprenions ce qu'il se disait. Incroyable. Et vous voyez, avec le recul, ce que dit Germain Tillion de Mouloud Feraoun, c'est la bonté qui émanait de cette personne, un regard noir, paisible, sa démarche, il était grand, marchait lentement, c'était la bonté sur deux pieds. Ouais. Et c'est lui qu'on a assassiné. Vous avez eu la chance C'est une grande chance, oui. de l'avoir côtoyé, de l'avoir rencontré, de venir chez vous. Un grand homme, effectivement. Eh bien, vous savez, de leur vivant, ils s'appréciaient et dans la mort, ils ont été unis. Ouais. C'est quelque chose de beau. On va retenir ça comme ça. Je rappelle juste que votre père, il était de 5 ans et l'aîné de Pharaon. Donc, quand votre père, il est né en 2008, en 1908, et bien, mon Pharaon en 1913, donc à peu près de la même génération. Donc voilà, docteur Oudéa, vous avez parlé d'un épisode qui s'est passé entre Mouloud Feraoun et votre père Salah, Henri Oudéa, qui était de proches amis collaborateurs. Mais ça serait bien aussi de nous parler un peu, ne serait-ce que succinctement, des 6 victimes de cet attentat de l'OAS en 1962. Oui, ce n'est pas un hasard si ce sont ces 6 personnes, parce que dans l'organigramme du service des centres sociaux, ils étaient les principaux responsables. C'est ce qui m'a fait dire que la liste des 6 hommes à abattre, cette liste-là a été rédigée par quelqu'un qui était dans les centres sociaux. On ne pouvait pas établir cette liste par hasard. Alors Max Marchand, je n'en ai connu aucun, à part Mouloud Feraoun. Max Marchand, lui, était un ancien inspecteur d'académie à Beaune. Son appartement avait été dévasté par une décharge de plastique, une explosion de plastique. Il avait failli laisser la vie et on lui avait demandé de venir prendre la succession de Marcel Lehn, qui était sur le départ de façon normale. Max Marchand a été quand même le prix littéraire de la ville d'Oran et le grand prix littéraire de la ville d'Alger. C'était un grand, grand écrivain, lui aussi, un homme de lettres. Ali Ramouten avait été nommé récemment inspecteur, avait réussi le concours d'inspecteur d'académie. Il avait été nommé donc à ce titre. Robert Aymard, lui, était responsable du bureau d'éducation pédagogique, tout comme Marcel Basset. Voilà, je crois, mais par le détail, évidemment, j'ai écrit ce livre en 1992. Ça m'échappe un petit peu, quelques précisions m'échappent un petit peu. Mouloud Feraoun, quant à lui, il était comme mon père, hein, c'était un enseignant, un instituteur, un directeur d'école à Fort National, et c'est Germain Tillion qui est venu le débaucher, entre guillemets, pour venir aider les centres sociaux. Mon père était un instituteur, et c'est Germain Tillion qui est venu chez nous demander à mon père d'entrer dans les centres sociaux. Et il a suivi Germain Tillion, ce qui a été pour elle un remords permanent. Bien sûr. Parfait. Hamoutan, Ali Hamoutan, c'était un natif de Tizi Ouzou en 1917 et il a fait partie du parti PPA de l'époque. Et puis ensuite, il a été traqué par l'armée française. Donc, il s'était obligé de quitter Tizi Ouzou vers Alger, aussi là où il s'est retrouvé pour devenir inspecteur de l'éducation nationale et directeur adjoint des centres sociaux éducatifs. Donc voilà, c'était pour dire que c'était un grand militant et un grand aussi indépendantiste, quoi, dès la première heure. Donc voilà, c'est ça, Ali Hamoutal. C'est bien. Maintenant, ce qui m'intéresse un peu dans le parcours de votre père, c'est que c'est votre père qui a eu le premier l'idée à proposer des formations de vendeuses. Donc il avait cette vision comme quoi la femme doit contribuer à l'Algérie de demain pour faire partie de la société. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la formation
comme vendeuse? Ah, c'est une question, je vous remercie de me l'avoir posée, parce que je suis très fier de ce qu'a fait mon père à l'époque. Il avait parfaitement compris qu'une société avec uniquement des hommes était une société bancale. Il fallait une société mixte, hommes et femmes. Il avait prévu que les femmes devaient participer à l'élévation de l'Algérie, à son travail, à son maintien, une véritable société mixte, comme elle doit être normalement constituée. Il avait donc eu l'idée de former des jeunes Algériennes au métier de vendeuse, ce qui n'était pas acquis à l'époque, parce que bien entendu, vendeur dans un magasin, oui, mais vendeuse avec le regard des hommes posé sur vous, ça n'était… Eh bien non, les familles lui ont fait confiance et lui ont confié leur fille, leur jeune fille, pour bénéficier des cours de vendeuse et de savoir parler, s'exprimer, proposer un produit à la vente, en faire le détail et l'exposer aux futurs clients. C'est quelque chose de très très important que cette préfiguration de l'Algérie de demain, hommes et femmes liés. Voilà, maintenant la prochaine question, c'est de revenir un peu à cette fameuse triste journée du 15 mars 1962 et de nous dire un peu, apparemment, les assassins, les terroristes de l'OAS sont venus avec une liste de six, ce sont six au total. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur quelque chose sur cette liste-là? C'est la liste qui correspondait très précisément à l'organisme, à l'organisation du service, à la hiérarchie du service. Et donc, si ces noms-là ont été sélectionnés, cette sélection a été faite par quelqu'un qui connaissait, qui travaillait à l'intérieur des centres sociaux. Il y a eu un traître au sein même du service. Que puis-je vous dire d'autre à propos des noms? Oui, les noms ont été, ils ont été prononcés par ordre alphabétique par l'un des trois tueurs qui est entré dans la salle. Et pour le jugement, docteur Oulodiel, le jugement, il y a un seul qui a été exécuté en France, hein, et un seul parmi les autres. Pourquoi? Ce crime n'a fait l'objet d'aucune enquête de police, d'aucune enquête de justice. Les tueurs n'ont été ni arrêtés, ni jugés, et encore moins condamnés. Par contre, ils ont été récompensés par l'amnistie votée par François Mitterrand, où le temps qu'ils ont passé dans le crime, dans l'assassinat, dans la destruction des biens publics et privés, leur a été compté comme de l'ancienneté dans leur profession, puisque pendant ce temps-là, les malheureux n'avaient pas pu pouvoir bénéficier d'un salaire de leur employeur et de cotiser pour leur retraite. Alors Mitterrand a validé tout ça. Vous avez passé tant de temps à faire le crime, des crimes à Oran, à Al-Jib, eh bien ça vous sera compté comme ancienneté. Et il y a une commission qui a été nommée, une commission a été créée, à l'intérieur de laquelle les anciens de l'OAS déposaient leur dossier en disant, ben voilà, j'étais absent de temps à temps, j'ai pas pu travailler, j'ai pas pu, ils disaient pas ce qu'ils ont fait, mais ça leur a été compté comme année d'ancienneté. Incroyable, hein? C'est incroyable. Donc, ils n'ont été ni jugés ni condamnés. Il y en a même un qui a été élu conseiller municipal dans une mairie du Midi, à deux reprises d'ailleurs, Cagnes-sur-Mer. À Cagnes-sur-Mer, ce monsieur a été nommé élu conseiller municipal et je me suis déplacé à la demande d'une liste d'opposition pour dénoncer la présence dans la liste de M. Nègre, RPR de l'époque, de l'assassin. Il y a eu des tracts qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres en disant « Attention, dans cette liste-là, il y a celui qui a participé à l'assassinat 2 ». J'ai envoyé une lettre à tous les colistiers qui étaient des commissaires de police, qui étaient des instituteurs. Je leur ai dit « Voilà, à côté de qui vous allez siéger ?» Personne n'a bronché. La liste est passée au premier tour avec 70% des voix. Incroyable. Maintenant, en parlant un peu de votre association, depuis son existence, est-ce que vous avez réussi au moins à avoir quelque chose du point de en ce qui concerne le rétablissement de la vérité?
En tant qu'association, nous avons agi comme vecteur de mémoire en publiant les travaux dans l'éducation de base des centres sociaux qui étaient des travaux de pionniers. Les travaux, l'éducation de base dans les pays sous-développés se réfère toujours au travail réalisé par l'équipe des centres sociaux éducatifs. Et avec une autre association qui s'appelle l'Association de défense de la mémoire des victimes de l'OS, dont le président est Jean-François Gavoury. Son père a été poignardé de manière très cruelle dans son domicile en revenant de son travail. Et nous avons obtenu, mais c'est surtout lui, l'érection d'une stèle au Père-Lachaise à Paris, à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de l'OAS en Algérie et en France. Et c'est devant cette stèle que chaque 19 mars, tous les drapeaux des 20e arrondissements de Paris viennent se recueillir à la mémoire de nos victimes. Et ça, c'est un très grand succès. Nous publions une revue qui s'appelle Le Lien. Qui est inscrite au répertoire international des périodiques, ce qui veut dire que la revue de notre association peut être lue dans le monde entier et elle figure dans beaucoup de bibliothèques à titre individuel. Voilà, on fait un travail sur l'avenir et puis comme peut-être l'avez-vous constaté, notre site internet est très bien fait, très pédagogique et grâce à ce site internet, nous avons des chercheurs qui nous interroge, pouvez-vous me donner tel renseignement? Pouvez-vous me donner ceci, cela? Et nous les aidons dans leur travail de recherche. Voilà notre contribution actuelle. En tous les cas, oui, nous l'avons remarqué de notre côté au niveau TQ5. On vous remercie beaucoup pour la qualité de ce site-là. Personnellement, ça m'a rendu la tâche facile pour préparer cette entrevue et j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas auparavant. Eh bien, je vous en félicite, vraiment. La prochaine question, est-ce que vous pouvez élaborer ou faire le parallèle entre ces assassinats de l'OAS avec les nazis, les SS de nazis? Est-ce qu'il y a un lien? Le lien, d'abord, c'est d'inspiration fasciste. Dès que j'entends parler culture, je sors mon revolver, disait un général allemand. La culture, ils n'aiment pas. Et les centres sociaux, on ne les aimait pas parce que c'était des intellectuels, d'une part. Ça, c'est l'inspiration fasciste. Par contre, la technique nazie, la technique des SS, elle a été appliquée par le lieutenant déserteur Roger de Guindre, qui, avec son fusil mitrailleur, a tiré d'abord dans les jambes des condamnés pour qu'ils s'écroulent lentement et qu'ils souffrent le plus longtemps possible. Et ça, je l'ai pu l'établir avec les examens des corps des suppliciés et avec la hauteur des impacts de balles sur le mur devant lequel ils ont été conduits et abattus. Et pour couronner le tout, bien sûr, pour être bien sûr qu'ils étaient morts malgré la centaine de balles tirées, on a tiré des balles de, comment est-ce qu'on appelle ça? Des coups de grâce dans la tempe, dans le front d'un certain nombre des victimes. Donc voilà, docteur Oudodia, vous venez faire le parallèle entre comment s'appelle les terroristes de l'OAS avec les SS nazis allemands. Et maintenant, est-ce que je vais vous projeter vers qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a un parallèle entre l'OAS et les assassinats de ce qui s'est passé durant la décennie noire en 90 des intellectuels, notamment beaucoup étaient des Kabyles en Algérie? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ces deux entités terroristes? J'étais absent de l'Algérie, je ne Oui. connais pas la décennie noire, donc je ne peux pas faire de parallèle, Non. mais quelque part, on doit quand même trouver des similitudes dans la chasse aux intellectuels, hein, parce que dans la décennie noire, les intellectuels, les médecins, quand j'entends intellectuel, c'est dans ma bouche le paysan algérien qui meurt pour ne pas avoir a obéi à une quelconque directive de la part des singes sanglants qui ont ensanglanté l'Algérie pendant la décennie noire. Le paysan qui meurt à cause de cela mérite la même estime qu'un intellectuel. Mais la différence entre l'intellectuel et le paysan, c'est que l'intellectuel permet au paysan de réfléchir en lui permettant de lire, en le transformant un analphabète en un alphabète capable de lire, de comprendre et de raisonner. C'est toute la différence. C'est pour ça que les voyous de la décennie noire, les voyous de l'OAS, s'en sont pris précisément aux intellectuels.
Docteur Nouldaoudia, quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'apparemment, durant l'enterrement de ces six grandes personnalités assassinées en 15 mars 1962, il y a eu très peu de monde à leur enterrement. Est-ce que, comment vous expliquez cette situation? Eh bien, la situation, monsieur, elle s'explique par la peur. D'abord, les centres sociaux, comme je vous l'ai dit, étaient des gens peu recommandables aux yeux de l'armée et de la population. Par conséquent, aller à l'enterrement d'un membre des centres sociaux, c'était s'exposer à des représailles. Surtout que c'était l'OAS qui était toute puissante dans Alger et rien ne pouvait dire que le fait d'avoir été vu à cet enterrement-là, ça ne valait pas condamnation à mort ou exécution par l'OAS. C'est une grande tradition, ça, dans les enterrements d'intellectuels dangereux pour le pouvoir, la police filme les gens qui sont à l'intérieur. Je n'ai pas en tête le nom du dirigeant de Pinochet, l'Argentine, non, Pinochet. Chili. Hein? Le Chili. Le Chili, pardonnez-moi. Pinochet a renversé un gouvernement dont le chef du gouvernement était comment? Comment s'appelait-il? Je l'ai pas. Eh bien, tous les gens qui ont assisté à l'enterrement de ce chef de gouvernement socialiste, ils ont tous été arrêtés et ils ont tous été torturés. Aller à l'enterrement de mort est parfois synonyme de sa propre mort programmée par des assassins. Est-ce que je suis clair quand je dis ça? Ah, c'est très clair, oui. Donc, il y a beaucoup de similitudes, effectivement. Même à la... ouais. Oui, au moment de la décennie noire, que des gens n'aillent pas à l'enterrement de chanteurs, je n'ai pas son nom en tête, je deviens vieux, parce qu'ils avaient peur d'être reconnus et victimes ensuite de représailles. Tout à fait, oui. Mm. Vous voyez, Chili, l'Algérie, ou pendant l'Algérie française, c'est les mêmes comportements finalement. Hein. Donc, oui, le fascisme, l'intolérance, vous savez, n'a pas de frontières. Pas de frontières, tout à fait. Il ne faut pas oublier que l'enterrement de mon père et de ses compagnons s'est fait sous énorme protection militaire. Il y avait des militaires, des appelés du contingent, tous les 50 mètres à peu près. Chaque carrefour était gardé, surveillé par une jeep avec une mitrailleuse lourde. Et quand je suis entré dans le cimetière, pour ma grande stupéfaction, il y avait deux tanks qui gardaient le cimetière. Et pendant que les officiels parlaient, mon regard s'est levé vers les immeubles alentour et il y avait des mitrailleuses qui étaient sur les terrasses des immeubles pour surveiller la manifestation d'enterrement qui était en bas, qui était dans le cimetière. Donc, docteur Oudoldia, votre père était enterré à Alger, Ferraon, c'est à Tizi Bel, dans son village natal. Hein? Oui, tout à fait. Tout à et fait. Ali Hamouten aussi, c'est dans son village. Je ne sais pas, mais très probablement, ils ont tenu à ramener leur papa, parce que je connais Safia Hamouten, bien sûr, qui fait partie de notre association. Je peux lui demander, effectivement, où est enterré ton papa, mais à 99%, je peux répondre à Tizi Ouzou. Ok, peut-être que Safia Hamouten sera aussi l'une de nos invités dans les émissions futures pour nous parler un peu de son père Ali Hamouten, puis à son âme. Et paix à l'âme de tous ceux qui sont morts avec lui le 15 septembre, le 15 mars 1962. Je reviens, on vient à la dernière question, parce que je ne veux pas abuser de votre temps, c'était vraiment très gentil de votre voir, d'autant plus il fait nuit chez vous là, il y a un petit décalage. La dernière question que j'aimais bien vous poser, c'est par rapport maintenant à vos œuvres. Donc vous aviez largement le temps après votre retraite d'écrire, et puis j'ai vu que vous avez écrit beaucoup là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ouvrages, le dernier en date c'est 2017, dont le titre est « Éveil d'une pied noir avec un indigène », vous l'avez signé avec un pseudonyme, peut-être vous allez expliquer pourquoi le pseudonyme et de quoi il parle ce livre. J'ai pris ce pseudonyme parce que ce livre parle de la vie de ma mère aux côtés d'un indigène, un kabyle en l'occurrence. Et donc, en osmose, pour honorer ma mère quelque part, j'ai pris son patronyme. Parce qu'elle a pris le patronyme de mon père toute sa vie. Elle s'est appelée Oudaoudia Gisèle. Eh bien, moi, je m'appelle Nautelé Jean-Philippe, qui était le patronyme français de ma mère.
C'est une Voilà. façon de lui rendre hommage, hein, parce qu'elle était vraiment à côté de votre père, au nom Kabil ou Daoudia, et vous, donc c'est une façon de lui rendre hommage. Ben bravo, mes félicitations, vraiment, il n'y a pas de mots. Ça n'a pas été facile pour une Française pied-noir de vivre avec un Kabyle. Il s'aimait. Il s'aimait. Tout Voilà. à l'heure, vous avez dit, ma Pharaon, il avait 5 enfants, famille nombreuse. Quand il a envie de se reposer, il est venu chez vous. Et Oui. votre père, votre mère, ils ont eu combien, d'enfants à part vous? Eh bien, ma sœur, j'ai une sœur qui a été. Attention, ma sœur a été le premier prix de piano de l'indépendance, grand prix d'honneur de la ville d'Alger, premier prix d'accompagnement musical au conservatoire d'Alger, en même temps qu'elle était docteur en sciences. C'est dommage que l'Algérie se soit privée de nous. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours. En 62, on aurait dû faire comme ce qu'a fait Nelson Mandela quand il a pris la présidence en 94. Il a dit, on part dans tout, on fait tout avec toutes les composantes, on redémarre le pays sur la pluralité. Ça n'a pas été fait en 62. En 62, ceux qui ont confisqué l'indépendance en 62, ils ont préféré d'y aller vers l'arabo-baptisme, islamo-baptisme, et on est en train de payer le prix de nos jours. Autrement, l'Algérie était vraiment bien partie pour être l'Afrique du Nord, au sens à l'opposé de l'Afrique du Sud, exactement sur le même truc. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça qu'on TQC fait ce genre de mission, pour rappeler un peu les erreurs du passé et comment les générations futures vont éviter ce genre de bêtises historiques. Ceci dit, je vous laisse, Monsieur Oudaoudia, dire votre dernier mot. Eh bien, merci à l'équipe du Canada qui fait œuvre d'histoire en interviewant les derniers témoins, parce que je commence aussi à vieillir. Et bonjour à tous vos spectateurs et téléspectatrices. Voyez, je cherche mon mot. Voilà. Merci. Ben, À une prochaine fois. ce sera pas le dernier, encore une fois, comme je l'ai dit au début de l'émission, docteur Oudaoudia, on reviendra une fois que je vais lire le livre que vous allez m'envoyer sur la famille Oudaoudia, qui est une grande famille révolutionnaire, chrétienne, kabyle. Je vais le lire, je vous appellerai pour faire une interview. Ceci dit, un docteur Jean-Philippe Oudia, Netzer Iglen Dmis, Salah Henry, Oudia, Yewen Yer, Wid Inran, Ka, Ereveren, Toutsa, أكثر كنا سياسة النظام ينسن ماكسيم ميرشون سين وياد إيه أكيد دوسات جرا متذويل تكيم سر ما تذويل تكون يعجبن إسيان من الدولين دس دونا دين قيمة ذي ثلويث